Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. C'est tout Europe, et aujourd'hui, euh, les amis, on est le 1er décembre, et comme nous l'avait annoncé Games Workshop, nous allons pouvoir profiter euh, tous les jours, euh, on l'espère que ça va être tous les jours, mais euh, on va avoir euh, pendant tout le mois de décembre, la publication d'un nouveau détachement de manière journalière pour Warhammer 40.000. Alors, c'est une très très grosse hype pour tous les fans de la licence, et tout particulièrement du jeu de figurines, parce qu'on va avoir un vrai renouveau un détachement par faction et même les armées qui ont des codex vont pouvoir en profiter. C'est vraiment génial, ça va pouvoir euh, renouveler l'expérience de jeu, renouveler euh, la pratique du wargame dans un jeu qui a déjà maintenant euh, plus d'un an, quasiment un an et demi d'édition. Et, et je trouve que euh, le, 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 le move de Games Workshop sur ça, inattendu d'ailleurs, est véritablement un smart move, un mouvement très intelligent parce que... Euh, euh, je, ça vient vers, à mon sens ça vient pallier euh, ce qui faisait défaut aux éditions de jeux précédentes à savoir une édition de jeu qui avait tendance un petit peu à perdre en euh en, en intérêt auprès de la communauté au fur et à mesure que l'édition avançait parce que euh, parce qu'on avait du mal à se renouveler hormis euh, sortie du cycle en fait de publication des codex donc en gros vous étiez par exemple un joueur Eldar euh, votre codex sortait euh, après six mois de version et euh, et après euh, bon ben bah, vous finissiez la version avec votre codex et euh, vous aviez quelques mises à jour sur la data balance etc mais c'était pas non plus le grand renouveau là je trouve que euh, le move est très intéressant déjà parce que ça va donner de la profondeur aux index qui jouent depuis un an et demi avec un seul détachement, donc ça équilibre un peu le fait que il bah, y a des, des index qui vont sortir en fin d'édition et qui euh, forcément seront désavantagés par rapport à des codex comme les Space Marines ou les Tyrannides qui ont plein de détachements et qui ont déjà bah, un codex depuis un an et demi. Et même les factions qui ont des codex vont pouvoir avoir un, nouvel, un nouveau détachement. Donc je trouve que le, le move est très très bien joué de la part de Games Workshop. Euh, en tant que joueur, en tant que compétiteur, en tant que fan de la licence, je suis euh, archi favorable à, à ce qui vient d'être fait. Et, euh, et puis bah, en tant que créateur de contenu, bah, c'est la sauce totale parce que je vais pouvoir vous faire un max, un max de vidéos, un max de contenu, les amis. Je vous rappelle que vous êtes sur Creative Wargame, vous êtes sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Activer la petite cloche. Mettre un commentaire, les gars, pensez à mettre des commentaires sous les vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très 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 important, notamment aux égards de ce qu'on vous prépare, je vais vous en parler dans cette vidéo-là un petit peu aussi, je ferai un aparté, mais on vous prépare des très très belles choses avec Creative Wargame pour continuer à faire vivre votre pratique du jeu et tout particulièrement votre pratique du jeu compétitif. Les amis, pensez à commenter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous avez Instagram, le Discord, la newsletter, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et sans plus attendre, on bascule sur la présentation de ce détachement, et le détachement du jour, et j'ai pas pris de roulement de tambour, mais c'est Desgard Desgard, et eh ben écoutez, euh, super, euh, super, euh... super ou pas, d'ailleurs, je sais pas, moi je suis pas joueur guard. en tout cas, j'ai l'occasion de beaucoup jouer contre, notamment parce que le codex, l'index pardon, Death Guard euh, faisait partie des contres assez natifs à la faction que je jouais à savoir les Dark Angels et donc euh, je me suis beaucoup beaucoup entraîné contre le, le, la Death Guard de façon à être capable d'absorber ce match et j'ai eu l'occasion d'expérimenter pas mal cet index donc c'est cool de pouvoir pour moi découvrir ce, ce nouveau détachement euh, première c'est pas une première lecture que je, vais faire, que je vais faire sur cette vidéo ma première lecture me laisse penser que le détachement déjà présent me semble plus fort après j'ai pas une expertise approfondi de l'index des gardes, euh, mais j'ai l'impression quand même qu'on a cloisonné un petit peu avec ce détachement euh, les utilisations d'unités et pour moi le détachement, le primo détachement est quand même plus fort. Ceci étant, euh, je compte véritablement sur vous, les joueurs d'Esgarde, pour nous faire de la magie avec ce détachement et nous proposer quelque chose d'intéressant. Alors, on va le découvrir et puis après, on parlera un petit peu de comment on se projette. D'ailleurs, je vais le faire en même temps, en fait, au fur et à mesure, un petit peu de comment on se projette sur euh, les builds d'Esgarde et qu'est-ce qui va un peu interagir, interagir avec tout ça. Alors, le Flight Blown Host, j'ai pas regardé d'ailleurs si les détachements sont disponibles en français. Euh, je me contenterai de vous traduire ça et puis euh, et puis bah, vous me corrigez dans les commentaires si j'ai fait des petites erreurs de trad. Vous connaissez. Voilà. Alors, règle d'armée, règle de détachement, pardon, important, la règle de détachement nous dit que les Death Guard Infanterie de votre armée qui ne sont pas embarqués dans un transport gagnent scout 5 et l'habilité Stills. Ok. Je vous remets en perspective, la règle de détachement de l'index, c'était au début de euh, la bataille, vous allez choisir un buff ou un debuff suivant, à savoir vous allez pouvoir mettre moins 1 à la CT, à la CC euh, de, euh, de votre adversaire quand il est dans la portée d'engagement, vous allez pouvoir mettre mon OU, vous allez pouvoir mettre moins 1 à la sauvegarde aux unités adverses quand ils sont dans la portée, euh, pardon, d'engagement pas du tout, dans la portée de contagion. Ou vous allez pouvoir, euh, de mémoire, le, der le dernier, euh, mince, le dernier step, c'était, euh, mince, je fais n'importe quoi. Voilà, hop, le dernier step, <coughs> pardon, c'était <coughs> l'OC de mémoire. Vous réduisez de 1 l'OC quand euh, votre adversaire est en portée euh, d'engagement. Euh, c'était très fort. La règle de détachement euh, que je viens de vous citer, qui était celle de l'annexe, était très forte. Euh, parce que bah, le moins 1 CCCT, euh, c'est hyper impactant sur des armées qui ont le lethal power. Et le moins 1 sauvegarde, c'était hyper impactant sur les armées qui avaient le, le tanking power. Là, on a en fait une règle de détachement qui va nous dire maintenant, euh, bah, bon, alors, le Scout 5 est très bien pour les unités d'infanterie. Et le steals. Bon, apporte un petit peu de, euh, un petit peu de résilience complémentaire sur une armée qui a déjà ça comme point fort à la résilience. Par contre, c'est capé à Death Guard Infanterie et ça va vraiment être le, euh, la limite de ce détachement. C'est que tout ce que propose ce détachement, les optimisations et les stratagèmes, ne fonctionne que sur la Death Guard Infanterie. Et, tenons-le pour dit, alors oui, les plaques Marines sont très forts, oui, les shrouds sont très forts, mais de manière générale, ce qu'on voit jouer en Death Guard depuis de très nombreux mois, c'est euh, du Mortarion, euh, du euh, Drone de la Peste, du euh, Méphitique, euh, du, du Crawler, hein, de, euh, je ne sais plus le nom exact de ce fucking véhicule, mais euh, le crawler avec le tir indirect du Predator et avec de l'Alliance parfois avec des brigands, etc. Donc c'était pas nécessairement un codex qui se reposait trop sur l'infanterie, même si on, on avait toujours dans les listes d'Esghard euh, le ou les euh, packs de plagues parce que euh, bah, ça coûtait pas cher, ça avait le fight first, ça avait plein d'outils qui étaient très forts. On a vu avec la base des coups en point dernièrement qu'on avait un gros impact avec euh, les euh, les les les, les terminators qui avaient baissé en points et du coup bah pour 220 points vous avez 6 Deshroud au Terminator qui sont très forts euh, voilà maintenant c'était pas nécessairement euh, là-dessus que le, le, les bulles se reposaient. Ce détachement nous dit bon, si vous voulez optimiser votre liste avec ce détachement, il va falloir vous concentrer sur l'infanterie. On va découvrir ce que nous propose en tant que ressource et après on conclura savoir si on voit des petites euh, petites optimisations, des petits euh, des petits trucs à faire. Alors on a quatre optimisations évidemment comme dans tout détachement de Warhammer 40 000. Le premier nous dit que euh, bah, le porteur va faire bénéficier à son unité euh, le mot clé assaut pour les armes de tir, donc c'est cool. Je ne vous redis pas à chaque fois que c'est cloisonné aux unités d'infanterie. Tout ce détachement ne fonctionne que sur l'infanterie optimisation stratagème. Voilà, c'est bien clair, je ne le répéterai pas à chaque fois. Donc, euh, vous gagnez le euh, mot-clé assaut sur vos armes de tir. Euh, ça, honnêtement, un, je pense c'est un très bon huntsman qui va être joué avec ce détachement pour la simple et bonne raison qu'on a une armée qui est relativement lente avec euh, des, euh, du Mouva 4, du move à 5. Et on a des armes qui ont une courte portée, notamment la, la présence de lance-flammes assez intéressante, que ce soit sur les plagues euh, ou, euh, ou sur les Deschraux Terminator ou même les combi-weapon et, et d'autres types d'armes sur les Terminators classiques. Donc pouvoir gagner l'assaut, l'advance et le tir sur ces armes-là, c'est toujours appréciable. Donc je pense que c'est un bon enhancement. Ensuite, vous avez euh, pour 20 points l'injectile murmuration qui va nous dire que euh, vous gagnez une reroll des As. Euh... Alors là, il y, y, y a deux séquençages de mots-clés. À chaque fois que l'unité du porteur fait une attaque euh, qui cible une, euh, une unité ennemie qui a porté d'engagement d'une ou plus unités d'Esgarde, vous gagnez une reroll des As à la blesse. Alors là, ce qu'il faut préciser, c'est que déjà, ce n'est pas cloisonné à range, mêlée attaque ce sont les deux donc vous allez gagner une reroll des as à la blesse que ce soit au tir comme au cac donc c'est très bien et euh, quand vous tirez ou vous tapez sur une t qui a porté d'engagement bon globalement vous êtes relativement court en portée au corps à corps vous mettez forcément votre portée de contagion donc c'est quasiment une reroll des as natives hein. euh, quasiment quasiment bien sûr mais je pense que c'est aussi une bonne optimisation euh, pour euh, pour des packs de plagues, pour des packs de shroud, euh, ça peut être euh, ça peut être très cool. Ensuite pour 10 points, vous avez la possibilité euh, à la fin de à la fin. Alors celui-ci je ne pas l'avais pas bien lu, mais en fait il est très très fort. Donc en gros at the end of each phase à la fin de chaque phase le porteur regagne tous ses PV perdus. Donc eh bien, ça veut dire que le mec se re-heal un petit peu comme les bêtes de Nurgle. C'est vraiment très très fort. Ça veut dire que si votre adversaire n'est pas capable de vous one-shot le personnage, il revient en vie. Maintenant, il va falloir mettre ça en perspective avec les unités qui sont éligibles à cette optimisation, à savoir des personnages, des gardes, infanterie qui ne sont pas nommés. Donc bah, vous virez Tifus. Et après, bah, il ne vous, euh, vous reste pas non plus pléthore de personnages élig éligibles euh, à, ce, à ce détachement. Euh, je, vais vous les faire, je vais vous la faire en mille. Vous allez avoir donc pas les princes démons, ils n'ont pas le mot-clé infanterie. Alors peut-être que le prince démon sans les ailes a le mot-clé infanterie, mais j'ai un sérieux doute. Non, il a le mot-clé monstre, donc il n'a pas le mot-clé infanterie. Euh, Typhus, c'est un personnage nommé, donc pas d'optimisation sur lui. Vous allez avoir le Chaos Lord, euh, le Chaos Lord qui a... Pas, euh, qui n'est pas joué hein, jusqu'à présent, qui ne peut que rentrer dans des plaques marines et qui donnait une reroll des, des as à la touche. Bon, le Chaos Lord, on va, on va lui préférer euh, le Fight First et le stratagème grenade gratos sur les plaques marines, évidemment. Donc, le Chaos Lord, pas persuadé qu'il soit très optimisé encore. Vous avez le Lord of Virulence qui était bien, notamment avec les constructions d'armée qui tendaient à mettre des châssis parce que le Lord of Virulence, il avait le Blight Bombardment qui disait que les unités des qui attaquaient avec des armes à blast sur une cible que lui voyait, vous rajoutiez un objet de touche et vous gagnez l'Ignore Cover. Donc, c'était bien quand il y avait euh, du Crawler à côté. Là, vu qu'on est sur un détachement Infanterie, euh, du coup, il y a quand même une, une, quelque chose de très contre-intuitif là-dedans. Donc, le Lord of Virulence, euh, OK. Pourquoi pas, éventuellement Ça lui permet de rire tous ses PV. Euh, pourquoi pas Et après, vous avez le Lord of Contagion, euh, qui est une petite brutasse de cac, hein, puisque lui tape à Damage 3 et il a 6 PV. Donc, j'aurais tendance à dire de prime abord que c'est le plus intéressant à équiper de cet enhancement euh, parce que bah, il faut les tomber hein. les 6 euh, les PV en du 6 en du ça y va 2 1 vu 4 en one shot il faut les tomber et si vous laissez le mec à un ou 2 PV bon bah bruit, il revient entier, entier à la phase et c'est quand même chiant voilà après vous avez euh, les sorciers euh, les sorciers le sorcier pardon <coughs> vous avez le placaster mais le sorcier et le placaster sont très peu joués et après, vous avez le Malignant et l'autre personnage que vous pas nécessairement, sur lequel vous n'avez pas nécessairement envie de passer un unspot. Donc, je dirais euh, euh, pourquoi pas sur le, le, le Lord of Contagion ou le Lord of Virulence. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas les meilleurs personnages, malheureusement, de, de cet index. Et après, vous avez le dernier, c'est le Plague Veil euh, qui nous dit que euh, l'unité d'infanterie qui est. Avec le porteur, va euh, gagner. Et si elle est à portée d'engagement d'un objectif, elle va gagner euh, le, le LONOP à 18, à 18 pouces. Donc elle est plus ciblable par des attaques de tir qui sont euh, au-delà de ses 18 pouces. C'est le, le nouveau LONOP hein, depuis la Data Balance, je vous le rappelle. Il est bien, mais il est cher. Hein. 25 points. 25 points, c'est cool. Euh, maintenant, euh, il faut voir si c'est rentable. Le, le LONOP à 18 pour une armée qui envie d'aller de l'avant. Euh, bon, ok. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Euh, alors, c'est pareil, il me semble que dans les cultistes et dans les Poxwalkers, ne peuvent, euh, ne peuvent rentrer dans les cultistes et les Poxwalkers que Typhus. De mémoire, euh, Typhus, j'ai même un doute sur le fait qu'il puisse rentrer sur les Poxwalkers. Je vérifie ça de suite. Mais euh, <coughs> Typhus, il peut lead. Euh, d'Epochswalker, il n'y personne qui peut des cultistes en fait, donc Typhus peut des Walker, mais forcément il n'est pas éligible à un announcement puisque c'est un personnage nommé euh, et puis après en gros on va avoir que des personnages qui vont dans les Cloud Terminator, dans les Death Shroud Terminator ou dans les euh, ou dans les, euh, dans les Plague Marines donc euh, ok, pourquoi pas pourquoi pas si on a 25 points Mais euh, je ne pense pas que ça soit nécessairement un semaine qu'on aille chercher directement en disant « Waouh, ouais, c'est trop cool, je vais rendre mes Plague Marines lone up à, 20, à, à 18. » Ouais, mais gars, le problème, c'est que tes, tes Plague Marines, s'ils sont à plus de 18 de l'adversaire, ils ne font globalement rien à l'adversaire. C'est ça un petit peu, encore une fois, ce qui est un peu contre-intuitif dans ce détachement, enfin dans cet semaine là c'est que bon, bah, les, les unités qui sont éligibles à cette, à cette relique… Euh, si elles sont en plus de 18 de l'adversaire Elles font rien quoi Et donc avoir euh, un pack de 6 des shrouds Plus un personnage Plus une optimisation à 25 points Qui ne fait rien C'est des points perdus donc, euh, donc voilà Maintenant si on a les points Pourquoi pas par la suite ensuite on va avoir 6 stratagèmes évidemment hein, comme tous les détachements le premier c'est The Nose-Eating Paroxysm euh, qui nous dit que euh, lorsqu'une unité d'esgarde infanterie est, euh, au début de la phase de combat est à portée d'engagement d'une unité ennemie, et eh bien vous lui, faites fait un, vous lui faites faire un battle shock test et vous enlevez un au résultat euh, c'est un très bon stratagème, c'est un très très bon stratagème en vrai parce que ça vous permet de casser les mécaniques défensives en tentant de faire battle shock un adversaire pour Alors, il y, a, il y a cette notion dossé mais qui est pas véritablement le plus optimisé dans la séquence euh, qui nous est proposée là l'idée c'est plutôt de battle shock une unité pour l'empêcher d'utiliser des stratagèmes euh, c'est ce que fait beaucoup le tyrannide avec le détachement vanguard en multipliant les, euh, les petites unités qui vont aller amener euh, au corps à corps le fait de spammer le battle shock et dire ok bah tu n'utiliseras pas euh, ton armure du mépris tu n'utiliseras pas ton moins un damage tu n'utiliseras pas ton fight on death etc etc tu n'utiliseras pas tes bonus d'attaque etc 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 des bonus via stratagème évidemment donc je trouve que la mécanique est très forte moi pour moi c'est un excellent stratagème et il est très bienvenu dans une armée qui va se tendre vers euh, de l'infanterie hein, évidemment ensuite vous en avez un deuxième qui, encore une fois, je le trouve très bon, va vous permettre euh, de faire un peeling une consolidation de 6 pouces au lieu de 3. Alors ça, c'est très fort, surtout dans une armée relativement lente, de pouvoir gagner tant d'espace dans les corps à corps. C'est très, 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 très important. Donc ce, ce stratagème-là aussi, je le trouve très bienvenu. Ensuite, vous avez Eye of the Swarm, euh, qui nous dit que les unités infanterie à la phase de tir vont pouvoir gagner euh, le mot-clé « pistole » sur leurs armes. Sauf les, unis, sauf les armes à blast. Donc, ça, encore une fois, c'est plutôt intéressant. Parce que bah, vous allez pouvoir tirer dans les corps à, corps à corps avec vos lance-flammes. Donc c'est plutôt cool. Et puis de manière générale avec vos armes de tir. C'est qu'un PC, c'est normal parce que bah, après il faut noter que euh, les combinaisons qui marchaient très bien avec les armes de tir, notamment des Plague Marines ou encore euh, des Deshrouds, c'était le fait de pouvoir mettre à moins un la sauvegarde nativement à votre adversaire. C'était un petit peu comme si vous aviez un euh, PA 1 un Ignore Cover systématique contre votre adversaire. Je vous le résume, hein, mais en termes de stats. C'est-à-dire que vous tiriez avec un bolter qui n'a pas de PA, mais vous tiriez sur une unité à qui vous mettiez le moins un en sauvegarde parce que vous êtes en portée d'engagement, ben en fait vous réduisiez la sauvegarde à 4 et votre adversaire n'a pas la possibilité de gagner un cover sur cette réduction de sauvegarde. Donc c'était quand même très intéressant et c'est ce qui rendait aussi les unités, que ce soit Plague ou Deshroud, létales au tir comme au corps à corps. Là c'est du tir dont on parle. Et là, euh, on perd cette habilité parce que c'était l'habilité du détachement, hein, de, du, du, du primo détachement index. Donc, c'est pour ça que ça ne vaut qu'un PC, parce que finalement, en fait, quand on y regarde de plus près, eh ben, les armes de tir euh, sur les Death Guard Infanterie ne sont, sont pas véritablement euh, percutantes. Euh, ensuite, vous avez Drolling Aurore, qui nous dit qu'à votre phase de tir, une unité euh, Death Guard Infanterie qui n'a pas encore été choisie pour euh, tirer, vous allez pouvoir gagner une reroll des as à la touche. Et si vous tirez en demi-portée, vous allez gagner une full reroll des touches. C'est intéressant. C'est intéressant maintenant. Encore une fois, on a plutôt des armes portées sur le torrent euh, dans ces packs d'infanterie. Donc ça veut dire qu'on ne va pas trop les mettre. Euh, ça peut être cool sur les combi weapons des, euh, des Terminator Blightlord. Ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, voilà. Après, j'en reviens encore une fois au fait que pour moi, les unités d'infanterie de Death Guard, elles ne vont pas chercher de la grosse létalité sur le tir. Donc gagner des rerolls sur ces G-là, c'est cool. Mais il faut le mettre en perspective avec le fait qu'il y a pas mal d'armes de ces unités qui sont lance-flammes et qui n'ont pas nécessairement de jet de touche. Voilà. Ensuite, le cinquième euh, stratagème dit Enervating Onslaught, euh, c'est le stratagème de dégâts de ce détachement-là. En gros, ça nous dit que si vous arrivez à la charge avec une unité infanterie, vous allez euh, jeter un dé pour chaque euh, figurine en portée d'engagement. Et euh, sur un 5, vous allez mettre une blessure mortelle. Et vous rajoutez un à ce jet si vous n'êtes pas un cultiste ou un poxwalker. Donc par exemple, un pack de 10 plagues qui rentre euh, en impact va potentiellement pouvoir jeter 10 dés, Et sur du 4, mettre de la BM. C'est capé à 6. C'est important parce que. Vous avez un potentiel non négligeable de faire beaucoup, beaucoup de BM. Mais je trouve que ce stratagème est très, très, très fort. Il va avoir de la valeur. Alors, évidemment, sur les. Pardon. <coughs> je suis un peu malade. Euh, L'hiver arrive. Euh, winter is coming dans notre gueule. Donc, c'est assez intéressant sur les packs de Plague Marines. Parce que bah, vous allez pouvoir impacter. Et un pack de Plague avec, avec les deux personnages, c'est 12 figurines, hein, quand même. Donc, alors, vous n'avez jamais les 12 figurines en portée d'engagement, mais assez facilement vous pouvez vous retrouver à jeter 6, 7, 8 dés, parfois plus, et euh, sur du 4 ⁇ mettre de la BM. Donc arriver au contact et, et mettre bah, 3, 4, 5 BM, pourquoi pas. Euh, c'est fort, en vérité c'est fort, parce que bah, je vous rappelle que vous allez pouvoir, euh, avec notamment les stratagèmes, avec les plagues, euh, balancer de la grenade gratuitement, donc mettre de la BM, euh, tirer, aller au corps à corps, remettre de la BM, taper. Donc là, ça commence à devenir très, très intéressant ce qu'on nous propose. Et, et pour moi, c'est le stratagème de létalité de ce détachement là. Ça va. Consister à amener vos unités au corps à corps. C'est intéressant de le mettre en perspective avec des poxwalkers ou des cultistes, qui sont des unités qu'on peut jouer par 20 figurines sur des socles de 25. Donc on, on va pouvoir potentiellement capitaliser et dire ok bah, je t'envoie. Euh, alors je sais plus combien coûtent les Poxwalkers. Euh, je sais plus combien coûte 20 Poxwalkers. 20 cultistes, c'est 100 points. Mais bah, si vous chargez avec, euh, avec 20 figurines qui accessoirement gagnent le Steals, hein, donc ils vont vous mettre nativement à moins 1 à la touche. Euh, et ben bah, euh, je vais pouvoir mettre 6 BM avec mes 100 points de cultis sur n'importe quel châssis du jeu et ça ça peut être intéressant voilà donc euh, je trouve que c'est le stratagème létal de ce, de ce détachement et après le dernier stratagème on a Mephitic Invigoration euh, qui nous dit qu'à la phase de tir adverse juste après que votre unité ait été choisie pour cible bah, l'unité des gardes d'infanterie qui est choisie pour cible et qui est à 6 pouces d'un Mephitic Blight Hauler vous savez c'est les petits euh, euh, les petites tondeuses, là, euh, les petites tondeuses qui ont des fuseurs, euh, eh bien, vous allez euh, mettre un moins un à la blesse à votre adversaire si la force de sa caractéristique de tir est plus forte que votre endurance. Écoutez. Euh... <coughs> Bah nativement, euh, les, euh, les, les Death Shroud Terminator, lorsqu'ils sont lead, c'est une règle qu'ils ont nativement. Donc, qui va se cumuler avec le fait de vous mettre à moins un hit grâce à la règle de Donc, ça va donner de la, de la résilience, toujours plus de résilience à cette armée. Euh, c'est bien, euh, c'est un bon stratagème à mettre en perspective voir à l'équilibre avec le fait qu'il faut être à 6 pouces d'un Mephitic Blight Donc il y a quand même une condition non négligeable à avoir des Mephitic Blight dans votre armée. C'est une, une entrée que j'ai jamais vu jouer sur une, aucune liste gardes jusqu'à présent. Donc euh, la jouer pour potentiellement activer un stratagème qui consiste à mettre un moins 1 à la blesse sur une unité infanterie. Je ne suis pas persuadé que ça soit le meilleur investissement de l'année. Voilà. On a fait le tour de ce nouveau détachement. Euh, à la relecture, encore la troisième ou quatrième fois que je le lis, honnêtement, euh, j'ai pas la sensation que ce détachement euh, va passer devant le détachement qu'on connaît déjà. Euh, il me paraît très équilibré. Je pense qu'il va proposer une autre option de gameplay, un petit peu pour sortir euh, les, les joueurs d'Esgard des builds euh, pro véhicule avec du, tr les trois Predators, les deux, euh, deux ou trois euh, Crawlers, les trois drones, okay ça vous fait quasiment 1000 points d'armée déjà, euh, qui sont consacrés à du mot-clé véhicule. Bon, Ce détachement-là essaye de nous faire sortir un petit peu de ce gameplay. Moi, je pense honnêtement que euh, ça ne sera pas très viable. Pourquoi Parce que euh, ce qui manque aujourd'hui à la Death Guard, c'est euh, de l'impact rapide et de l'impact ciblé sur la map aujourd'hui, vous avez un seul et unique outil euh, pour faire ça avec l'index des guards. Euh, C'est euh, bah, le fait de pouvoir rapid ingress des packs de Terminator ou le fait de mettre des plaques Marines dans des Rhinos. Donc, euh, donc voilà. Et quoi qu'il en soit, est-ce que ça ne sera pas plus intéressant de garder le premier détachement pour toujours avoir cette, on va dire, cette, euh, cette option de jeu sur l'adversaire qui est de soit de réduire la capacité de létalité, soit de, de, de réduire la, la résilience de l'adversaire? Bon. Je rappelle aussi qu'il y a quand même de très très bons stratagèmes dans le premier détachement index. Euh, moi, de prime abord, ce que, ce, bah, forcément, hein, c'est une règle d'armée qui va se concentrer sur le mot-clé infanterie. Il vous faudra donc jouer une multitude d'infanterie. Vous n'en avez pas non plus des milliards de l'infanterie dans la Death Guard. Vous allez avoir les cultistes et les Poxwalkers, qui ne sont pas là nécessairement pour faire de la létalité, mais qui sont là pour amener des socles avec de l'OC sur des objectifs, faire du map control, faire du move block mais à mettre en perspective avec la lenteur de ces unités-là, donc pas, pas facile à mettre, en, à mettre en, en configuration sur la map. Et après, vous allez vous retrouver avec bah, les, les Terminators, hein. les, euh, les Blightlord Terminators qui malheureusement sont peu impactants au corps à corps, je trouve, et euh, les Deshrow Terminators qui, eux, sont intéressants, mais sont peu impactants au tir, parce qu'ils ont que du lance-flamme force 3 sans PA. Et le fait de leur enlever la règle de réduire de 1 la sauvegarde adverse, bon, euh, voilà, donc les Deshrow Terminator et les Black Terminator sont forts, mais ils ont aussi leurs limites. Et après, vous avez bon, bah, ce qui semble être pour moi la meilleure unité sur ce détachement, ça va être les Plague Marines. Parce que c'est une unité qui tape, c'est une unité qui tire, c'est une unité qui va maintenant profiter du tilts, donc le moins un hit sur, sur cette unité-là. C'est une unité qui est pas chère, qui fight first, qui a plein d'options de jeu et qui maintenant va avoir des très très bons stratagèmes à sa portée. Le fait de pouvoir avoir plein de pilines, enfin d'augmenter les pilines, le fait de pouvoir arriver au corps à corps, faire faire un battle shock à votre adversaire, le fait d'arriver au corps à corps, de mettre des BM. Voilà. Donc, euh, donc moi je me vois bien avec, avec une armée comme celle-ci, je me verrais bien tester euh, un, un gros spam de plague en rhino. Avec avec quelques unités annexes mais vraiment euh, saturer la map avec du plague euh, du plaque marine sans rhino et, euh, et quelques personnages clés pour euh, bien optimiser tout ça voilà les amis c'était le premier détachement vous avez bien compris que si je vous fais une vidéo sur ces détachements là c'est que vous allez en avoir pour tous les détachements que euh, Games workshop va nous proposer ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça de vous partager mon expertise du jeu de vous partager mon expérience du jeu et de la projeter déjà dans ce qui va être bah, la, la nouvelle méta de Warhammer 4000 40 cette méta de Warhammer 40 000 qui va d'ailleurs être euh, clôturée aussi par euh, une data balance, hein, fin décembre ou mi-décembre. Donc on va la voir arriver. Ça va être très intéressant. Le jeu va switch véritablement. Euh, nous, ce qu'on vous propose sur Creative Wargame pour bah, suivre de très près le switch de jeu. Alors, déjà, ça va être un suivi de toutes les parutions sur le mois de décembre. Je vous invite d'ores et déjà, les gars, à m'éclater le compteur de likes, à soutenir à mort Creative Wargame. Euh, je vous rappelle aussi que vous avez les liens d'affiliation. Euh, qui vous permettent d'acheter vos figurines à moins 20% et surtout bah, de créditer la chaîne et qui vous donne accès à la playlist prime euh, ça c'est important vous avez accès à, à quasiment 60 vidéos dédiées aux jeux compétitifs aux jeux optimisés donc allez-y n'hésitez pas il vous suffit juste d'aller sur notre Discord de poster votre numéro de commande dans le salon affilié et vous allez recevoir la playlist en MP et puis surtout bah, je vous invite à suivre un petit peu tout ce qu'on fait parce que à la fin du mois on va commencer la Super League Warhammer 40 000 un euh, format solo compétitif en streaming qui va durer sur plusieurs mois avec 16 joueurs qui sont engagés. Je vais vous présenter ça dans pas longtemps. Euh, on a commencé aussi les coachings sur Creative Wargame. Euh, vous avez des masterclass avec des, des, euh, des joueurs, des, des top players qui maîtrisent euh, certaines factions et qui vont vous proposer une expertise de jeu. Vous avez aussi d'autres formes de coaching, je vous invite à découvrir tout ça sur notre Discord. Et puis, euh, je vous rappelle aussi que nous, nous allons lancer en décembre. Euh, on va attendre toutes les publications de, de Games Workshop et donc ça sera plutôt début janvier, Mais les inscriptions va bon, commencer en décembre, Le, euh, la Super League TTS Creative Wargame. Donc un tournoi a ouvert à 200 joueurs sur TTS. On va essayer de faire péter notre corps précédent. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Je vous invite à me rejoindre et à me suivre, les amis. Vous étiez sur Creative Wargame et vous l'êtes encore. à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao ciao les seigneurs de guerre.